que pour un Rubik's Cube qui soit bien mélangé, il faut faire 20 mouvements. C'est-à-dire que tous les Rubik's Cube peuvent être résolus en 20 mouvements. Mais moi, je peux faire, vous montrer, ce qui peut être un Rubik's Cube, un mouvement avant qu'il soit résolu. C'est-à-dire que ça, ce sera à peu près 5 mouvements. Ça, ce sera à peu près 3 mouvements. Et ça, ce sera à peu près un mouvement avant qu'il soit résolu. Voilà. C'est ça. Sinon, après, j'ai la méthode ultime pour le faire le plus rapidement possible. C'est-à-dire que déjà, il faut que je le remélange. Donc, je vais faire comme ça. Je le mélangeais un peu plus. Voilà. Alors, pour le résoudre le plus vite possible. Alors, moi, je fais comme ça, comme ça. Non, c'est pas comme ça. Attendez, comme ça. Entièrement résolu. Waouh! Bon, et encore plus rapide, mais alors là c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que. Juste le mélanger un peu plus. Ouais, c'est des années de travail. C'est-à-dire que là on est d'accord qu'il est, il est pas trop mal mélangé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros blocs, pas comme ça, d'accord? Par contre, si je le fais, bon, ça a marché. Ok. Prêt? Voilà. Ça, c'est un des sulquets. Entièrement résolu. Non, moins de 3 minutes. Ouais, 3 secondes. Le refaire, bien sûr. Alors, juste le mélanger correctement. Comme ça, il est à peu près bien mélangé. D'accord, il n'y a pas de bloc, des quoi, ah si. Si ça va, si c'est bon. Voilà. Ça c'est la méthode. Bon après il y en a d'autres mais alors c'est un peu plus compliqué parce que. Déjà faut bien mélanger. Des fois les personnes pensent que je vais retourner la carte pour demander la sortie. Donc pour éviter que les gens puissent penser ça, maintenant ce que je fais c'est que la reine du cœur, non seulement elle est très gauche, mais en plus, je mets un autre monsieur. Et envoyez la balle dans votre main. Avec vous. Et après vous refaites le lien. Elle revient dans ma main. Envoyez la langue. Elle t'a bien aimé. Pardon, excusez-moi. J'ai le casse ouvert et le casse rose. Pardon, excusez-moi. J'ai le casse ouvert et le. Ça n'en finit pas, c'est pas possible. Ah, et mon casse ouvert, il est où? Ah, il est dans le casse rose et le casse rose dans le casse ouvert. Le casse rose et le casse ouvert, ce qui est génial avec ce casse rose, c'est. Ah, mon casse rose, il est où? Il est sous le coude. Je ne l'ai montré pas avant. Il est sous le coude. Et le casse ouvert, il n'est plus là. Alors, comment ça marche? Détournement d'attention, on planque le casse ouvert dans le coude. Et le casse rose, ça va vite. Ça, c'est du détournement d'attention. Mais je vous ai dit le truc. Il est ici. Mais ça va super vite. Case ouvert, case rose. Quand on a fini le tour, souffle. Et ben voilà. Plus que deux. Bravo. Bravo. Oh, ça va vite. Hein. Ouais, c'est pas trop mal mélangé là, on va dire. Non, ça va. Ok, alors on va essayer. Alors, si je fais ça comme ça, non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Alors, si je fais ça. Ouais. Bon, c'est des années de travail. Hein. Mais voilà. Ah, j'ai ça aussi, c'est pas mal. Comme ça, on va voir. Voilà, parfait. C'est bon, vous l'avez regardé? Bon, c'est normal. J'ai juste un peu brûlé les bouts pour pas que ça s'effiloche, c'est tout. C'est bon, jeune homme? C'est pas trop mal. Un petit bout pour le petit jeune homme. Et voilà, et ça, c'est. Donc, du coup, j'en ai trois. J'en ai une grande ici, une moyenne et un petit bout. Mais bon, moi, c'est. Pas trop long pour enlever si je fais ça.
maintenant elles vont toutes les trois à la même taille. C'est-à-dire que maintenant là j'ai là c'est la petite, là c'est la grande, et là j'ai la moyenne. Ça va ? Ah, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever une, comme ça, je fais un peu ça. Donc maintenant j'en ai plus que deux, d'accord ? Bon attendez, ce qu'on va faire, on va faire avec nous, ok ? Donc du coup maintenant j'ai une corde. Ça va, vous arrivez à suivre ? Alors, pour ceux qui n'auraient pas réussi à suivre, je suis parti avec une corde, deux cordes et trois cordes. Mais avec ces trois cordes, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait qu'une. D'accord ? Oh ! Voilà, j'en ai fait qu'une. D'accord ? Ça va, jusque-là. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre cette. Mince ! Ouais. Des choses qui arrivent. Du coup, maintenant, j'ai perdu mes bouts. Du coup, maintenant, j'ai une corde. Il n'y a plus de bouts. Vous pouvez me dire stop en anglais, juste ici, là ? Comme ça ? Voilà, bien vrai. Ça maintenant j'ai toujours pas cordes. Mais alors le problème c'est que je vais donner à examiner, mais vous pouvez pas voir parce que ça marche avec statique. C'est-à-dire que je suis un peu comme ça. Voilà, maintenant ça colle. Maintenant je retrouve ma corde sans bout. Ne vous inquiétez pas, j'ai des bouts de secours. Mes petits bouts de secours, ils sont là. Donc mes petits bouts de secours que je remets sur la corde à peu près, disons à peu près là, comme ça. Ça, du coup, j'ai de nouveau ma corde. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je venais d'arriver. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma corde, j'ai enlevé les bouts, et ensuite les bouts, je les ai remis sur la corde. Voilà. Ça, c'était la version de luxe. Ensuite, ce que j'ai fait, si vraiment vous n'avez pas suivi, c'est qu'au début, je suis parti, j'avais une, j'avais deux, et j'avais trois cordes. Alors, j'avais, si je me rappelle bien, j'avais ici la petite, là, c'était la grande, et là, la moyenne. Alors, est-ce que tu peux tenir ça, c'est la moyenne, du coup ? Ça, et est-ce que vous pouvez tenir la petite là, ouais, parfait. Vous êtes prêts à regarder 1, 2 et 3. Voilà. Ah. Ça, là on a la grande, là on a la petite et là on a la moyenne. Voilà. Merci.